Hein, parce que le joint, il est graissé. Trois pions, sachant le pion qui a un trou va en haut. Voilà, on pousse, d'accord. On amène les tuyaux intérieurs face au guide. On amène la trompette dans ses goujons. Serrage de la trompette avec visseuse. Donc par habitude, on sait qu'on doit avoir 2-3 mm. Si on a 7-8 mm, c'est qu'il y a eu une erreur. Dans le cadre d'une assistance à la transmission de compétences, In-Situ a réalisé un film sur le process de montage d'un pont de tracteur à l'usine Jima de Beauvais. L'objectif étant d'archiver en vidéo la transmission du savoir-faire d'un opérateur partant en retraite. Cet archivage vidéo se traduit aujourd'hui par un film complet sur le process et plusieurs modules de formation. Les circlips et les joncs sont fréquemment utilisés pour venir maintenir ou bloquer en translation un ensemble de pièces sur un axe. Ces éléments peuvent être appliqués en solution définitive, c'est-à-dire qu'ils réaliseront leur fonction de blocage sur toute la durée de vie de l'assemblée, ou en solution provisoire, pour assurer temporairement le maintien d'un préassemblage de pièces avant opération de manutention. Le serrage de pièces est une des opérations les plus couramment effectuées au Jima. C'est une opération qu'il est primordial de bien maîtriser, car elle peut être source de non-qualité. Mauvaise tenue mécanique, problèmes d'étanchéité ou encore bruit parasite sont autant de problèmes qualité pouvant apparaître suite à une opération de serrage mal réalisée.